Bonjour. Alors ça s'est même fait en même temps en fait. Je travaillais sur No Life et en même temps, en fait, Ubisoft c'est mon boulot la journée. No Life c'était mon boulot le soir et les week-ends. Donc ces derniers temps j'ai des soirées et des week-ends. C'est le gros changement depuis la fin de No Life. Mais voilà, mon job principal c'est effectivement de travailler à Ubisoft. D'abord en tant que level designer, puis scénariste et actuellement je suis dans le département éditorial. Voilà. Alors ça dépend du type de jeu, bien évidemment, mais dans tous les cas, il y a toujours une histoire dans le jeu, dans n'importe quel jeu vidéo, c'est l'histoire du joueur. Même si on est dans un jeu de course, par exemple, même si effectivement il y a des jeux de course avec des histoires, avec des scénarios, mais ou un jeu de sport, il y a quand même le joueur se raconte une histoire, c'est l'histoire de ses exploits, entre guillemets. Et on peut avoir des expériences qui fait que le lendemain, à la machine à café ou ailleurs, on va dire « Et à la dernière seconde, j'ai dépassé Bowser et là… » Donc on peut quand même avoir des expériences narratives, même sur ce type de jeu. Après, évidemment, il y a d'autres types de jeux, les jeux d'aventure, l'action-aventure, RPG, la stratégie même, qui vont se prêter à des grandes histoires épiques, avec beaucoup de personnages. Voilà, c'est un autre type d'expérience. Et là encore, on va quand même avoir l'histoire du joueur qui vient superposer à tout ça. Elle a évolué déjà parce que les manières de raconter, de mettre en scène l'histoire ont changé, ont évolué, se sont, je dirais pas forcément améliorées, mais en tout cas, il y a des choses plus cinématographiques qui ont été permises, des choses de mise en scène. Et au fur et à mesure que tous ces outils narratifs se développaient, les scénaristes de jeux vidéo se sont un peu enhardis aussi et ont eu envie de raconter des choses plus complexes, ou en tout cas peut-être plus spectaculaires, encore plus cinématographiques. Parce que bon, quand on regarde bien, même à l'époque de Ultima et des vieux Final Fantasy, il y avait déjà des histoires épiques, mais qui étaient racontées sous forme de texte principalement, ou des petites scénettes avec des sprites. Là où maintenant ça va être des moments vraiment, vraiment spectaculaires et vraiment, vraiment mis en scène. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont succédées. Déjà d'une part, quand on était sur les premiers jeux vidéo, l'espace qui pouvait être dédié au graphisme était assez limité. Donc c'était souvent des graphismes à base de tiles, des petites briques, des petites mosaïques qui s'imbriquaient. Et du coup, faire une tile qui raconte autre chose que purement du gameplay, faire un sprite qui est là juste pour une scène narrative, c'était un choix vraiment délibéré, un choix important, puisque ça prenait une place non négligeable sur la cassette, la disquette, peu importe le support de l'époque. Quand les supports ont commencé à augmenter en taille, on a pu se permettre des petites choses pour raconter des histoires. Ça peut même être un truc bête, c'est t'arrives dans un donjon. Normalement, c'est juste des blocs qui représentent des briques et puis des blocs qui représentent le sol, tu vois, par exemple. Et on va rajouter dans une pièce un bloc qui est un squelette. Et là, déjà, tu racontes quelque chose. Tu dis, ah, tiens, quelqu'un est mort dans cette pièce, peut-être qu'il y a un piège, peut-être qu'il y a un monstre, peut-être que ça annonce qu'il y a un boss dans la pièce suivante. Voilà, donc déjà on se permettait des choses comme ça. Et plus de stockage, ça voulait dire aussi la possibilité de mettre plus de texte. Sur certains des vieux RPG, par exemple, je pense à Wasteland, qui est un jeu vraiment pionnier sur beaucoup de choses, donc Fallout et le Descendant. Mais dans Wasteland, l'histoire, elle était dans un livre qui était inclus dans la boîte du jeu. Et quand on avançait dans le jeu, il mettait paragraphe 3. Il fallait regarder dans le livre le paragraphe 3 pour savoir ce qui se passait dans cette scène. Parce qu'ils n'avaient pas, juste sur la disquette, ils n'avaient pas la place de mettre vraiment tout ce texte, toute cette histoire dedans. Donc voilà, ça a permis vraiment de développer les histoires. Et surtout, on a eu aussi tout ce qui était le courant des jeux d'aventure. Parce que là, tout ce qui est tile, bloc et ainsi de suite, c'est vraiment pour les jeux d'action, voire les RPG. Mais les jeux d'aventure, notamment tout ce qui était point and click, a permis d'avoir des scènes qui étaient uniques. Qui n'était pas à base de, juste
justement, de tiles, de choses comme ça. Donc, dans ces scènes uniques, on peut raconter plus de choses aussi. Mais c'est aussi pour ça que ça a été longtemps plutôt l'apanage du jeu sur ordinateur, où il y avait moins de contraintes cartouches, ainsi de suite. Pour moi, le level design devrait être le premier vecteur narratif du jeu vidéo. Parce que comme je disais tout à l'heure, la première histoire, celle qui domine toutes les autres, c'est toujours l'histoire du joueur. Et l'histoire du joueur, elle est racontée entre autres dans le level design. Parce que si on place le joueur face à des difficultés à tel endroit, qu'on lui met un moment de stressant à tel autre endroit, et ainsi de suite, on met en scène son histoire à lui. Et les émotions qu'il va vivre et les choses qu'il va ressentir en jouant. Donc voilà, le level designer, c'est un raconteur d'histoire de base. Il crée ce parcours à travers lequel il va faire vivre des choses aux joueurs. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ce niveau-là qui est vraiment important. Et tout ce qui va être cutscene, cinématique, et ainsi de suite, c'est des choses qui vont s'intégrer dans cette expérience-là. Et ce qui est parfois très, très compliqué, c'est qu'on a des histoires qui ont besoin de beaucoup de cinématiques pour être racontées. Et c'est pas toujours évident de ramener ça dans l'expérience du joueur, en tout cas de trouver un équilibre pour pas que le joueur ait l'impression qu'on est juste en train de le balader d'un point A à un point B pour voir une scène où il a pas la main et que finalement, une obsession chez les développeurs de jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle l'agency. Donc c'est, je sais pas comment traduire ça, c'est le libre arbitre, le libre choix du joueur, la capacité du joueur à prendre ses propres décisions dans le jeu. Et il faut souvent lutter pour ramener l'agency au centre des préoccupations, y compris des scénaristes, parce que voilà, parfois il y a la tendance, la tentation de vouloir raconter une histoire comme on la raconterait pour un film, comme on la raconterait pour un livre, un roman, une BD. C'est-à-dire une histoire que le joueur subit, mais pour que ça fonctionne, il faut que le joueur ait l'impression de la vivre, cette histoire. Il faut qu'il se dise, j'en suis l'acteur, c'est moi qui ai tué le dragon. C'est pas, j'ai regardé le héros tuer le dragon à ma place dans cette cinématique. Donc voilà, mais ça c'est... Souvent dans les équipes, c'est un job que j'ai pu faire à Ubisoft, il y a un des level designers dont le rôle, ça va être d'être l'interface entre l'équipe de level design et l'équipe des scénaristes, justement pour que les uns les autres échangent des idées et travaillent ensemble à voir okay, comment cette idée d'histoire, est-ce qu'on peut en faire vraiment un moment de gameplay plutôt que juste un texte ou un dialogue. Et parfois, les level designers eux-mêmes, en faisant le scénario, ils vont se dire « Ah, ça serait bien qu'à tel moment, il se passe ça, il y a une trahison, je sais pas quoi. Enfin, » Et si les scénaristes, si on leur communique pas ça, ils vont pas forcément y penser. Donc, c'est important qu'il y ait aussi ce pont, cette passerelle entre les deux, pour que, finalement, on évite... Alors, il y a un terme un peu savant qui est sorti pour ça, c'est la dissonance ludo-narrativiste. Une ludo-narrative qui dit voilà, on te raconte une histoire mais qui n'est pas synchronisée avec ce qu'on te fait vivre. Donc là il y a un problème. Donc ça c'est la bête noire des scénaristes et des level designers qui doivent travailler main dans la main pour que justement cette dissonance là elle n'existe pas et que l'histoire soit bien en phase avec ce que fait le joueur. Je pense que c'est toujours mieux de faire comme ça. Après, souvent, le scénariste, voire parfois le creative director ou autre, il va vouloir mettre un thème au cœur de son jeu, il va vouloir faire passer quelque chose au joueur, je ne vais pas dire, pas forcément un message, parce que message, ça fait un peu pompeux, mais si le thème de ton jeu, c'est, tu ne peux pas changer qui tu es. Il va vouloir qu'il y ait des moments dans le jeu où le joueur se prenne ça de plein fouet. Et là, ça veut dire qu'il faut que la conséquence des actions du joueur ne soit pas forcément celle à laquelle il s'attend. Donc quelque part, c'est trahir un petit peu la promesse qu'on fait au joueur. Et si c'est bien fait, si ça fait partie du thème du jeu, si le joueur fait « Ah,
là je me suis vraiment, ils m'ont bien eu, ou ah c'est ça que je fallais que qu'on veut que je ressente à ce moment-là, le ça peut très bien fonctionner. Par contre, avoir des moments où le joueur a le sentiment qu'on lui vole le contrôle, ou que son personnage fait des choses que lui en tant que joueur, c'est pas du tout l'idée qu'il se faisait de ce personnage et de la manière dont il le jouait jusqu'à maintenant. Un exemple, imaginons un jeu où tu peux jouer en infiltration tout le temps. Toi, tu le joues comme ça parce que tu as l'impression de jouer un ninja. Et donc tu dis, voilà, personne me voit et tout, machin. Et puis, du coup, tu as une cinématique où ton personnage tue trois mecs. Et tu dis, non, c'est pas le personnage que j'étais en train de jouer. Donc là, voilà, là, il y a un problème. Et ça, c'est, à mon avis, des choses qu'il faut éviter. Je pense que ce qui se passe, c'est que d'un côté, on a... Enfin, pendant très longtemps, on a pensé que les systèmes et le gameplay, c'était une chose, et les scénaristes et l'histoire, c'était autre chose. Et que finalement, c'était pas trop grave si ils se répondaient pas vraiment l'un l'autre. Tandis que maintenant, les systèmes, on a un niveau de simulation dans les jeux, en termes d'écosystème, de voilà, tu prends une torche, tu la jettes dans l'herbe, l'herbe prend feu, ou des choses comme ça. Ouais, c'est le dernier Zelda fait ça super bien. Que du coup, tu as envie en tant que joueur que le monde réponde à tes actions. Là, on arrive dans justement tout ce qu'on appelle le gameplay émergent. Par exemple, dans Far Cry, ils appellent ça l'anecdote factory. C'est le fait que dans ta partie, il va se passer des trucs, des moments où personne n'aurait pu les prédire, et ça va te faire un souvenir incroyable. Genre, j'étais en pleine fusillade avec trois mecs et d'un seul coup il y a un ours qui a débarqué et ensuite il y a une grenade qui a fait péter un machin et un véhicule en feu est passé à travers la forêt, waouh. Et ça c'est vraiment les systèmes qui se mettent à interagir les uns avec les autres et qui produisent des scènes. Et aucun, enfin il n'y a pas deux joueurs qui auront la même expérience. Et quand ce genre de choses se produit, ça fait des souvenirs incroyables après. J'espère que les joueurs ne deviendront jamais blasés de ce genre de choses en disant ouais bof. De l'écosystème, ouais bon. Voilà. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que c'est quand même incroyable quand on y réfléchit, se dire qu'on arrive à simuler tout ça, plus ou moins bien sûr, hein, mais qu'on peut avoir un monde qui donne en tout cas le sentiment d'être vivant. Je pense que c'est. Voilà, c'est un bel achievement quand on y parle. Je pense qu'il y a des parallèles qui existent. Dont parfois les créateurs de jeux, surtout, je ne vais pas dire surtout les jeunes parce que je ne suis pas si vieux, mais en tout cas, je me rends compte que parmi les développeurs de jeux vidéo, il y a beaucoup qui n'ont jamais par exemple joué au JDR. Et moi, ça me paraît incroyable, mais c'est le cas. Ils vont être plutôt. Eux, ils vont plutôt se parler de, je sais pas, pandémie comme étant un grand truc qui leur sert de référence. Moi, je pratique pas du tout le jeu de plateau, pour le coup, donc j'ai pas ce référent-là. Mais je pense qu'il y a un vrai gain pour le jeu vidéo à voir comment fonctionne le jeu de rôle et à voir des choses qui sont les jeux de rôle et qu'on, au-delà de juste des systèmes, de dire voilà, ah bah, j'ai un jeu qui reprend des règles de Donjons et Dragons, de plutôt se concentrer, ok, l'expérience de jouer à un jeu de rôle, c'est quoi? Et est-ce qu'on peut ramener ça dans le jeu? Alors évidemment, il y a une grosse différence qui est que dans le jeu de rôle, tu as un maître de jeu qui va vraiment réagir à ce que proposent les joueurs, idéalement, et qui va peut-être pas hésiter à sortir du scénario qui est préécrit et à dire, bon, bah, mes joueurs ont envie de pas du tout aller dans la montagne magique, mais plutôt prendre ce bateau et descendre la rivière pour aller voir ce qu'il y a en amont du fleuve Serpent. Ok. Allons-y, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va voir, on va découvrir ça ensemble. Et ça, le jeu vidéo, il ne sait pas encore faire ça. Ou en tout cas, on reste toujours quand même dans des situations qui ont été prévues à l'avance. Mais de plus en plus, on essaye, les développeurs de jeux essayent de manière générale, je pense, à mettre en place des mondes qui peuvent réagir, ou en tout cas autoriser le joueur à sortir des rails et à aller ailleurs, voir des choses. Ça, pour le coup, tu parlais de Bethesda tout à l'heure. Dans les jeux Bethesda, il y a beaucoup de joueurs qui font pas la quête principale.
et qui vont aller cueillir des fleurs dans la forêt ou juste faire les quêtes pour devenir le chef de la guilde de la confrérie noire que sais-je. Et ils sont très forts là-dedans parce que ils arrivent à donner plein de... D'ailleurs, souvent, je trouve que leurs quêtes principales sont pas terribles, mais ils arrivent à donner plein de petites choses, des petits environnements, des zones qui ont des mini-histoires et qui sont souvent plus marquantes que l'histoire principale. Et tu as envie de passer du temps à faire des trucs dans ces zones et puis finalement que le dragon machin chose va y revenir et détruire le monde, ben pff, il peut attendre quoi. Ben, en fait, pour moi, à l'heure actuelle, le level design vraiment purement généré de manière procédurale, il manque... Enfin, j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est très bien pour des jeux qui sont purement systémiques, mais il y aura toujours besoin d'une touche, d'un level designer derrière, pour rajouter un peu de personnalité, un peu de vie, un petit quelque chose qui va rendre ça mémorable. Et alors c'est peut-être moi qui suis un peu vieux jeu et qui dis « mais c'est mon travail quand même, les machines nous remplaceront pas !» Mais le fait est que des jeux où les environnements sont vraiment purement aléatoires, à part les jeux de stratégie, parce que l'expérience se déroule à un autre niveau, j'ai envie de dire, mais sur des RPG par exemple, des choses comme ça, ben, tu te sens toujours un peu déconnecté, enfin moi c'est mon cas en tout cas, de l'environnement. Tu vois, tu es là, bon, ok, encore un donjon généré de manière aléatoire, voilà. Pour toi, c'est pas vraiment un lieu qui existe dans le monde, c'est un élément de gameplay finalement. Je vais dans ce donjon procédural pour looter et faire de l'XP. Pas parce qu'il te raconte quelque chose, pas parce que tu as envie de savoir ce qu'il y a derrière la prochaine porte, parce que tu dis il y a un mystère, ben non, tu sais qu'il n'y a pas de mystère, c'est généré aléatoirement. Et pour moi, c'est pas étonnant finalement que. C'était des technologies qui étaient très impressionnantes quand elles sont apparues. Hein. On sait que les premiers Elder Scrolls, à nouveau Arena Daggerfall, ont vraiment utilisé ça pour créer des mondes incroyables, gigantesques, remplis de bugs. Mais c'est vraiment à partir de Morrowind où on a eu des mondes qui étaient un peu faits main où là dans ce coup Elder Scrolls a explosé parce que à mon avis c'est en grande partie parce que dans ce coup le monde devenait mémorable. Le monde de Daggerfall il est ultra vaste, il s'y passe plein de trucs, il y a des tonnes de personnages et effectivement on peut y vivre une expérience incroyable, mais est-ce qu'il a quelque chose de mémorable en tant que monde? Pas vraiment. Alors que Morrowind, les environnements, il y a vraiment des choses qui restent en mémoire longtemps après. Les villes, le design des villes, le moindre chemin qui passe dans la montagne et tout ça. Après, on va pas se mentir, sur des jeux comme ça, open world, avec des univers super vastes à explorer, la génération procédurale, c'est souvent utilisé à un moment ou un autre, au moins comme point de départ d'un environnement, parce que ça fait gagner un temps fou. Mais on a toujours, et encore, enfin, je dis toujours, mais le plus souvent, mais bon, je ne sais pas comment travaille tout le monde, des level designers qui ensuite vont partir de cette base générée de manière procédurale et vont la retravailler, vont l'améliorer, vont l'enrichir, vont lui donner vie finalement, au point qu'on se rende plus compte en tant que joueur que, à la base, c'était un truc généré comme ça aléatoirement. Donc je pense que le fait main a encore, ou en partie fait main, a encore de beaux jours devant lui. Même si, évidemment, les jeux devenant toujours plus détaillés, toujours plus vastes, la génération procédurale en tant que base de travail, c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus, parce que sinon c'est juste pas possible, ou alors faut passer 5 ans, 6 ans à travailler sur un jeu, et bon, ben, c'est pas donné à tout le monde. Merci.